مرحبا بمشتركي سابورانيت دونك باش نشرح لكم سيري نيميرو 1 على الاكتيفيتي نيميريك 1 دونك نبدا بالاكزرسيس نيميرو 1 ديكومبوز اون برودوي دي فاكتور برومي لي نومبر 45 اي 75 اون ديتور لو بي جي سي دي دو 45 75 اي لو بي بي سي ام دو 45 75 Déterminer l'ensemble des diviseurs de l'entier 45, noté D45, et 75, noté D75. On déduire le BGCD de 45, 75 et le PPCM de 45, 75. On utilise l'algorithme d'Euclide, trouve le BGCD de 45, 75. On déduire le PPCM de 45, 75. Ok? Donc, maintenant, ça va l'exercice interne. Donc, où le haja, donc, où la question, où décompose en produit des facteurs premiers, donc les nombres 45 et 75. Donc, je vais d'abord 45. Donc, sur 3, je t'attends 15. Sur 3, je t'attends 5. Sur 5 égale 1. Donc, on peut déduire que 45 égale à 3 au carré fois 5 à la puissance 1. De même, 75, donc l'aîné, on décompose en produit des facteurs premiers, donc sur 3. Bien sûr, l'aîné a eu 4 ans, c'est un peu plus de donc un facteur a fait le collège. Donc 25 sur 5, donc je t'attends 5. 5 donc sur 5, je t'attends 1. Okay, donc 75 égale à 3 à la puissance 1 fois 5. Okay. Voilà la question numéro 1. Donc, petit a, bien sûr. Petit b, donc, on déduit le BGCD et le PPCM de 45 et 75. Donc, je l'appelle BGCD, donc, de 45 et 75, donc, égal à 3 fois 5. Ok? Donc, on dit 3 à la puissance 2, 3 à la puissance 1, bien sûr, j'ai 3 à la puissance 1. On dit 5 à la puissance 1 et 5 à la puissance 2, j'ai 5 à la puissance 1. Donc, égal 15. Le PPCM de 45 et 75, donc, égal 3 au carré fois 5 au carré. Donc, égal 225. Voilà. Donc, on regarde la question numéro 2. Donc, question numéro 2, déterminer l'ensemble des diviseurs de l'entier 45 et 75. Donc, je vais 45. Donc, je vais 45 qui est 3 au carré fois 5 à la puissance 1. Donc, 3 à la puissance 0, il y a 1. 3 à la puissance 1, donc 3. Et 3 à la puissance 2, donc 9. L'énergie dit 5 à la puissance 0. Et 5 à la puissance 1. Donc, 0, 1 et 5. Voilà. Donc, l'aîné a dit 1 fois 1, 1, 3 et 9. 5 fois 1, 5. 5 fois 3, 15. Et 5 fois 9, 45. Okay? Donc, D, 45 égale 1, 3, 5, 9, 15 et 45. Voilà. Donc, top, je redonne D, 75. Donc, de même, qui me redonne D, 45, je redonne D, 75. Donc, indienne 75, donc égale 3 au carré fois 5 au carré. Donc, l'énergie 3 à la puissance 0, il y a 1. 3 à la puissance 1, donc 3. Et 3 au carré, donc 9. 5 à la puissance 0, donc, est égal à 1. 5 à la puissance 1, donc 5. Et 5 à la puissance 2, donc égale 25. Donc, l'énergie 1, 3 et 9. Donc, 5. 15, 45, donc 25, l'aîné a dit 25 fois 3, donc 75, et 25 fois 9, donc pardon, l'aîné 75, il est 3, 3 fois 5 au carré, donc 3 fois 5 au carré, donc juste à 3 l'aîné, ok? Donc on dit 3 à la puissance 0 et 3 à la puissance 1, voilà, juste à 3. Donc l'aîné a dit 60 15. Donc, le 25, voilà. Donc, le D de 75 égale, donc, 1, 3, 5, 15, 25 et 75. Pardon. Le PPCM, non, il y a 60, donc 75 égale 3 fois 5 au carré. Donc, ok, on continue par la question interne. Donc, je vais mettre une autre couleur. Donc, D 45 égale, donc, 1, 3, 5, 9, 15 et 45 et D 75 donc égale 1, 3, 5,
15, 25 et 75. Ok, donc 25. Donc, d'abord, la question est là. Donc, déterminer, donc, en déduire le BGCD et le PPCM, donc, d'après les deux, donc, les deux divisions, donc, division de 45 et 75. Donc, question numéro B. Donc, l'année, je t'atténue le BGCD de 45,75, donc, égale 15. Et le, donc, le BGCD, donc, de 45, 75 fois le PPCM de 45, 75, là, il faut lire 45, 45 fois 75. Donc, je me le PPCM, donc, on applique le formule directe. Donc, 45 fois 75 sur 15, qui est égal, donc, l'année 225. Voilà. Donc, le BGCD, bien sûr, tu as là, le diviseur de 45 et 75. Donc, l'année égale à 15. Donc, ouais, des 45 unions, donc, des 75. Donc, ellipse donc, 1, 3, 5 et 15. Donc, bien sûr, je trouve l'année plus grande, du haut 15. OK? Donc, pour le PPCM, on applique la formule AD. Donc, je vais faire le résumé interne. OK? La question n'est pas. Donc, question numéro 3. Donc, on applique l'algorithme d'Euclide, trouve le BGCD de 45,75, on déduit le PPCM. Donc, les choses, je n'ai pas 75 égale. Donc, il y a 1 fois 45 plus 30. Donc, j'ai l'année à ma division de 45 sur, donc, par, de 75 par 45. M'a dit que donc, 45, on divise sur 30, sur le reste. Donc, il y a 1 fois 30 plus 15. Et on divise bah, 30 par 15, donc égal à 2 fois 15, donc plus 0. Division à Euclidienne. Donc, où l'étape? Donc, j'ai l'année, là, 45 par, donc, 75, pardon, sur 45. Donc, je t'ai signé, je t'ai signé 1. Donc, 45, pour le reste, 30. Donc, étape numéro 1. Étape numéro 2. Donc, j'ai 45 sur le reste de l'URL sur 30. Donc, bien sûr, je t'ai 1, l'année 30, le reste 15. Bah, j'ai 30 et donc, à 45, donc j'ai 30. On divise par 15. Donc, je t'ai signé 2. Voilà, 2, donc 30. Et le reste, 0. Okay? Donc, l'année. Elle est changée à mal l'année, d'où l'année le BGCD, donc. Égale 15. Voilà, donc l'année est 15. Okay? Donc, le reste l'année 0. Okay? Donc, vous pouvez le PPCM qui m'a appliqué la formule, la question verbale. Donc, le PPCM égale donc 45 fois 75 sur 15, donc qui est égal 225. Okay? À l'exercice 2. Donc, répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Si A et B sont premiers entre eux, alors le PPCM de A et B égale à A fois B. Donc, l'aîné, vrai. Okay? Allez, si A et B sont premiers entre eux, alors l'aîné, le BGCD de A et B, quoi t'égale l'aîné? Le BGCD, donc, égale à entre A et B égale à 1, quand l'équipe de premier entre eux. Donc le PPCM, quoi t'égale? PPCM, donc égale A fois B sur A, donc est égal à A fois B. Okay? Question les barres, si B égale à 2A, alors le BGCD de A et B égale à A. Donc ça, bien sûr, est vrai. Allez, c'est vrai. Donc, le plus grand diviseur de A, c'est A, quand on le plus. De A et A. Okay? On a dit B égale donc 2A. L'intérêt B égale 2A. Donc, A divise B. D'accord? Donc, madame, A divise B, d'où l'année? Donc, le BGCD de AB, c'est A. D'accord? Le plus grand diviseur de A, je dirais A. Puisque B égale à 2A, donc A divise B.
دونك لهنا بيان سور باش يكون ا انتر ا و بي سي ا اوكي هذا الكيستيون اللي بعدها دونك لهنا شنو عطيني سي بي ايغال 2 ا بلس ا دونك لهنا بي ايغال 2 ا بلس ا الوغ لو بي جي سي دي دو ا اي بي ايغال ا دونك لهنا هي فري علاش فري دونك عطيني هو بي ايغال 2 ا بلس 1 هكا ولا دونك ونعرف ان ا بار ا دونك ايغال 1 فوا ا plus 0. Donc, là, je peux déterminer le BGCD. Donc, le BGCD de AB, bien sûr, égale à 1. Ah oui, égal à 1. OK. Regardez la question, les bagues. Donc, si A suit B égale à 2A moins 1, alors le BGCD de A plus 1, B, donc, égale à 1. Et là, donc, faux. Voilà. Donc, faux. Bien sûr, je n'ai pas un contre-exemple. Donc, je n'ai pas A égale à 8. Donc, B égale à 2A moins A, qui est égal, donc, 2 fois 8 moins A égale à 16 moins A égale à 15. Donc, A plus 1 égale à 9. Oui, je vais vous le BGCD de A plus 1 et B. Je vais vous le BGCD de A plus 1, je vais 9 ou le B de 15, qui est égal, égal à 3. Là, je vais vous le montrer tout simplement. Donc, 9 sur 3, donc 3, 3 sur 3, donc 1. Donc, 9 égale 3 au carré. 15 donc sur 3, 5, 5 sur 5 égale à 1, donc 15 égale 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Donc le BGCD de 9 et 15, bien sûr, on a égal à 3 à la puissance 1, donc est égal à 3. Alors, je n'ai pas gagné le BGCD de A plus 1 et B égale à 1, donc faux égale à 3. Ok, on a fait comme contre exemple B. T'as la question libre. Donc, A égale à 2 fois 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. Et B égale à 3 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 2. Alors, le PPCM de A et B égale à 6 fois le BGCD de A et B. Donc, l'aîné, je peux déterminer le PGCD. Donc, le PGCD, pardon, de A et B. Donc, quoi est égal, l'aîné, égale à 2 au carré fois 3 à la puissance 2. Donc, je vais vous dire 2 carrés ou 2 3. Donc, je vais vous dire 2 carrés. Et là, 3 carrés ou 3 3. Je vais vous dire 3 carrés. Okay? Donc, le PPCM de A et B égale 3 à la puissance 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Donc, je vais vous donc, je vais vous dire, donc, en fonction de BGCD. Donc, l'année 2 à la puissance 3, il y a 2 au carré fois donc 2 ou 3 à la puissance 3 et fois 3 donc au carré fois 3 hein, donc l'année a dit 2 fois 3 fois 2 au carré fois 3 au carré hein, 2 fois 3 donc il y a 6 2 au carré fois 3 au carré il y a BG CD donc fois BG CD et bien vrai et donc vrai voilà. Donc regardez l'exercice de base soit n égale à 1 fois 2 fois 3 fois 20 fois 21. Montrer que n plus 2 est divisible par 2 est tel que et que n plus 3 est divisible par 3. Donc, n égale à 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 21. Donc, l'aîné 2 divise n. Donc, 2 divise n. Donc, comme 2 donc, divise donc, l'aîné, donc n plus 2 est divisible par 2 et que n plus 3 est divisible par 3. Donc, comme 2 divise 2, alors 2 divise n, donc n plus 3, 2 divise n plus 2. Voilà. Donc, l'aîné a dit 3 divise n, d'accord? Et 3 divise 3, de même, donc 3 divise n plus 3, voilà.